SpaceX a ouvert une voie que beaucoup ont suivie, apportant de nouvelles idées et innovations à un marché en plein essor qui assure l'avenir de l'humanité dans l'espace. Ce sera très excitant de voir ce qu'il en adviendra dans les 20 prochaines années. Mais en attendant, prenez du popcorn et asseyez-vous, car tout arrive très bientôt. Et ici le futur, on connaît ça. C'est pour ça que cette semaine, j'ai décidé de vous faire tirer une mini Starship. Vous avez juste à trouver ce personnage à travers la vidéo, m'écrire sur bluedotfutur@hotmail.com avec l'endroit que vous avez trouvé mini BDM. Et après 48 heures, donc mardi soir, je vais récolter tous les noms qui ont trouvé mini BDF et je vais faire tirer ce mini vaisseau Starship avec un numéro de série gravé dessus. Ça va être dans l'almanach de BDF, ça va être hot. Mon nom est BDF et bienvenue à l'actualité spatiale. Chou! Starship crachera littéralement les satellites Starlink version 2 comme un distributeur à bonbons. Le lanceur massif et totalement réutilisable de SpaceX, le Starship et le Super Heavy se rapprochent du premier vol d'essai orbital. Selon le plan de vol déposé auprès de la Federal Communications Commission, la FCC, il s'agira d'un vaisseau spatial empilé sur son booster, le SN24, sur son booster, le BN7, qui décolleront de la Starbase de SpaceX près de Boca Chica, au Texas. L'élément propulseur se séparera à une altitude suborbitale et atterrira au large des côtes du Texas, tandis que le vaisseau continuera jusqu'à une altitude de 200 km, le plaçant en orbite terrestre basse. Avec cette étape importante de compléter, SpaceX aura pleinement validé son système de lancement Super Heavy et sera prêt à effectuer des vols commerciaux. Par la suite, dans un futur pas si lointain, ces vols comprendront des charges utiles et des équipages à destination de la Lune et de Mars. Lors de la SpaceX All Hands Meeting qui a eu lieu le dimanche 5 juin, Musk a partagé beaucoup d'informations. SpaceX a parcouru un long chemin en termes de lancement et de récupération de vols spatiaux habités, de déploiement de sa constellation de satellites à large bande Starlink, de développement du Starship et de construction de l'usine Starbase à Boca Chica. Mais c'est l'animation du Starship déployant les satellites Starlink qui a particulièrement retenu mon attention. Starlink est une constellation de plus de 2000 satellites en orbite terrestre basse, transmettant des connexions Internet à plus de 500 000 utilisateurs dans le monde. Alors que les satellites sont actuellement déployés à partir des fusées Falcon 9 ou Falcon 9 de SpaceX, Musk a récemment expliqué comment la prochaine génération de satellites, appelée Starlink version 2, s'appuiera sur Starship pour le déploiement. Donc, présentement, sont envoyés à partir d'une Falcon 9 dans la coupole, place de Crew Dragon, mais maintenant, ce sera dans le Starship. Dans l'animation, nous voyons les satellites empilés à l'intérieur du vaisseau spatial dans leur configuration pliée à plat et recrachés à travers une mince ouverture sur le côté. La comparaison pèse est tout à fait appropriée, tout comme le terme mitrailleuse, car les satellites sont empilés verticalement et un nouveau est chargé au moment où celui en dessous est tiré. Là, c'est un peu bizarre, mais que signifie pèse? Vous le savez probablement, mais moi, c'est une découverte. Pèse est une entreprise autrichienne de confiserie dont la spécialité le distributeur mécanique surmonté d'une figurine dans lequel le bonbon est vendu. Bien que je ne connaissais pas ça, comme je vous disais, Pez est l'un des bonbons les plus populaires au monde. Un autre détail clé, les panneaux solaires qui sont montés sur le dessus et qui commenceront à fonctionner tout de suite après l'extraction du vaisseau. Cela semblerait indiquer que cet aspect de l'avenir de l'entreprise où le Starship s'est engagé à déployer des satellites version 2 est celui qui préoccupe particulièrement Musk en ce moment. Musk a d'ailleurs parlé dernièrement de ce satellite de nouvelle génération et de la façon dont le développement du Starship était crucial pour leur déploiement. C'est la seule chose qui peut transporter des satellites Starlink 2. Nous avons déjà produit le premier et il mesure 7 mètres de long. Le Falcon 9 n'a ni le volume ni la capacité masse orbite requis pour Starlink 2. Donc, même si nous avons réduit le Starlink 2, la masse totale de Falcon n'est pas suffisante pour faire Starlink 2. Effectivement, le Starlink version 2 pèse 1250 kg ou 2760 livres, soit environ 4 fois la masse des versions opérationnelles version 1 et 1.5.
5. Fondamentalement, le succès du Starship et de Starlink sont interconnectés. Compte tenu de l'importance de Starlink pour la version à long terme de SpaceX, le financement de missions vers Mars, Musk semble également adopter une approche prudente concernant l'introduction en bourse de Starlink, donc 2025 au plus tard. C'est-à-dire attendre que le vaisseau puisse montrer qu'il peut rapidement remplacer les satellites perdus et combler les lacunes dans la couverture. Rappelons que SpaceX a réussi à établir une cadence de 1 lancement par semaine. Ils ont également établi un record de lancement et de récupération avec 160 vols réussis, 122 récupérations réussies et 98 réutilisations des boosters récupérés. Ils ont également établi un record de temps d'exécution entre les lancements de 21 heures. En termes de vols spatiaux habités, le diaporama a salué les nombreuses avancées de l'entreprise et nous a présenté la mission de sortie dans l'espace commercial Polaris Dawn avec Jared Isaacman, que j'adore. Enfin, le diaporama présente les étapes franchies avec le système de lancement Starship et Super Heavy, le bras mécanique géant Mechadila qui sera chargé de capturer les boosters à leur retour. La dernière diapositive montre la Starbase Factory améliorée et agrandie où les vaisseaux spatiaux seront assemblés en masse dans un avenir pas si lointain. Indépendamment de l'opinion publique sur les activités récentes de Musk, il ne fait aucun doute que l'entreprise qu'il a créée a une longue et fructueuse histoire. Bien que les délais qu'il a fournis dans le passé aient toujours été trop optimistes, il y a une aptitude démontrable à faire avancer les choses. Depuis sa création en 2001, SpaceX a fait des progrès impressionnants. Est devenu le principal innovateur dans l'industrie du New Space et accompli des choses que certains croyaient impossible! Saviez-vous qu'une petite roche spatiale a atteint le télescope James Webb, puis c'était pas la première? La NASA a révélé qu'une petite roche spatiale a heurté l'un des miroirs du télescope spatial James Webb, le JWST. Une minuscule météorite a frappé le télescope spatial James Webb, nouvellement déployé en mai, désalignant l'un de ses miroirs plaqués or, mais ne modifiant pas le calendrier de l'observatoire en orbite pour qu'il devienne pleinement opérationnel sous peu. La petite roche spatiale a frappé le télescope de 10 milliards de dollars à la fin du mois de mai et aurait causé des petits problèmes dans les données du télescope. Imaginez, il s'agissait du 5e et plus grand impact sur le télescope depuis son lancement en décembre. Après les premières évaluations, l'équipe a découvert que le télescope fonctionnait toujours à un niveau qui dépasse toutes les exigences de la mission, mais une analyse et des mesures approfondies sont en cours. Les ingénieurs ont commencé un réajustement du segment de miroir impacté pour aider à annuler une partie de la distorsion causée par la micrométéorite. Webb s'est garé sur une orbite solaire à environ 1,6 million de kilomètres de la Terre en janvier et devrait produire ses premières images en couleur du cosmos en juillet. Ce récent impact n'a entraîné aucun changement dans le calendrier des opérations de Webb. Le miroir de Webb a été conçu pour résister au bombardement de particules de la taille d'une poussière volant à des vitesses extrêmes dans l'espace. Mais l'impact le plus récent était plus important que ce qui a été modélisé et au-delà de ce que l'équipe aurait pu tester au sol. Le télescope spatial géré par la NASA est considéré comme l'observatoire spatial le plus puissant jamais construit avec une suite de capteurs et 18 segments de miroirs plaqués or qui travaillent ensemble pour rechercher des planètes lointaines ainsi que des galaxies dès les premiers stades de l'univers. Les ingénieurs ont conçu le télescope pour résister aux impacts occasionnels de micrométéorites qui sont de minuscules roches spatiales se déplaçant à des vitesses ultra rapides lors des averses de météores prévues près de l'emplacement de Webb dans l'espace. La micrométéorite du mois dernier ne provenait d'aucune pluie de météorites. La NASA qualifie l'impact d'événement fortuit inévitable. Le télescope est une collaboration internationale dirigée par la NASA en partenariat avec l'Agence spatiale canadienne et l'Agence spatiale européenne. Nous avons donc tous un petit miroir qui nous appartient. Ouais, ben en tout cas, moi je prendrais pas lui qui est cassé, on s'entend. Ils vont marcher pareil. Il y a eu des éléments essentiels à la vie retrouvés sur l'astéroïde Rigu. Des acides aminés, éléments de base de la vie sur Terre, ont été découverts dans des échantillons de matière prélevée sur un astéroïde par une sonde spatiale japonaise en 2019. Ces acides aminés et autres matières organiques provenant de l'astéroïde de Rigu pourraient donner des indices sur l'origine de la vie sur Terre.
Mais on aime ça comprendre sur Blue Dot Future, fait que c'est quoi des acides aminés en réalité? Les acides aminés sont des molécules qui entrent dans la composition des protéines grâce à leur assemblage par des liaisons. La découverte d'acides aminés capables de former des protéines est importante parce que Rigu n'a pas été exposé à la biosphère de la Terre, contrairement à des météorites. Deux types de rochers et de blocs forment Rigu. Ils sont foncés et rugueux à la surface, friables ou clairs et lisses. Par conséquent, leur détection prouve qu'au moins certaines de ces briques élémentaires de la vie sur Terre pourraient avoir été formées dans des environnements spatiaux. Les chercheurs ont identifié 23 types différents d'acides aminés dans 5,4 g d'échantillons de roches et de poussière noire collectés par Rigu par la sonde Hayabusa 2, dont la capsule était revenue sur Terre fin 2020 avec sa précieuse cargaison après une mission de 10 ans. Découvert en 1999, l'astéroïde Rigu, ou palais du dragon en japonais, est situé à plus de 300 millions de kilomètres de notre planète et il fait moins de 900 mètres de diamètre. Les scientifiques pensent qu'une partie de la matière de l'astéroïde a été créée environ 5 millions d'années après la naissance de notre système solaire et n'a pas été chauffée au-delà de 100 degrés Celsius. Selon une autre étude, la matière prélevée sur Rigu a une composition chimique qui ressemble davantage à celle de la photosphère du Soleil qu'à celle de météorites. Les échantillons de Rigu donnent une raison de penser que les acides aminés ont été emmenés sur Terre depuis l'espace. Selon une autre étude, les acides aminés auraient été créés dans l'atmosphère primitive de la Terre via la foudre. Un rover lunaire en forme de centaure, nous a été présenté par le Japon. On les aime, les Japonais. Dans les nouvelles liées à la Lune, une entreprise japonaise a développé un robot roulant à quatre pattes ressemblant à un centaure conçu pour traverser la surface de la Lune. Un centaure est une ancienne créature mythologique grecque avec le corps d'un cheval et le torse, la tête et les bras d'un être humain à la place de la tête du cheval. Le robot centaure comporte deux bras en forme de griffes et de deux caméras bombées pour les yeux. Il ne ressemble à aucune autre sonde lunaire que vous ayez jamais vue. Appelé le robot R1, il a été créé et fabriqué par JITAI en collaboration avec la JAXA, l'agence spatiale japonaise. Lors d'un test récent, le robot a parcouru avec succès le terrain accidenté sur ses quatre roues dans une installation de la JAXA qui imitait le sol lunaire. Le rover a également réussi à déballer une succession de pièces avec des mains en forme de pince et à assembler le cadre de fondation d'un panneau solaire. JITAI a produit un certain nombre de robots à des fins diverses, y compris le R1. Selon le site web de la société, l'objectif est d'emmener sa technologie sur la surface lunaire réelle d'ici le milieu des années 2024. Le robot a ensuite effectué quelques exercices supplémentaires pour voir avec quelle efficacité il pouvait naviguer sur un terrain rocheux et des pentes et peut-être recueillir un échantillon de roche lunaire. Des images du test qui ont été accélérées jusqu'à 15 fois la vitesse normale pour lui donner l'apparence d'un film d'horreur en stop motion montrent le robot ramassant une petite cuillère et un pot transparent avec ses mains pincées et récoltant une petite quantité de poussière de lune synthétique. Le nouveau robot ressemblant à un centaure n'est que le dernier né des robots proposés et réalisés dans l'espace. La Station spatiale internationale, par exemple, comprend un robot compagnon d'astronautes et des bras robotiques dont l'un a été développé par le Japon. La NASA a également déployé un certain nombre de rovers robotiques sur Mars. Aucun cependant n'a possédé les traits quelque peu humains du R1. Le robot de JITAI fait partie d'une course pour créer de nouvelles façons de faire des activités dans l'espace telles que l'exploration minière ou la fabrication, alors que la Chine et la Russie ainsi que les États-Unis et leurs alliés se font concurrence pour établir une base lunaire permanente. Un certain nombre d'entreprises basées aux États-Unis développent également des robots, des rovers et des atterrisseurs lunaires en vue d'une future expédition. Le prototype qu'on parlait tantôt, Starship, retourne à l'usine après des tests simulés des moteurs Raptor. Raptor. C'est un dinosaure, mais c'est un Raptor. Un prototype de SpaceX, le Starship, qui pourrait devenir le premier à être lancé dans l'espace, est revenu à l'usine de fusée de la Starbase après avoir terminé une série de tests approfondis. Les essais du Starship S24 ont démarré difficilement lorsque la fusée d'environ 9 mètres de large et 50 mètres de haut a soufflé un tuyau à haute pression lors de son tout premier test.
Bien qu'il semble que la majeure partie du vaisseau ait réussi le test, le tuyau a éclaté et a endommagé une section du bouclier thermique, ce qui a nécessité plusieurs jours de travail continu pour être réparé et remplacé. Heureusement, le Ship 24 semble avoir excellé au cours des deux phases suivantes. Le 1er juin, le vaisseau a entièrement réussi les tests pneumatiques au deuxième essai. Le 2 juin, il a terminé son premier test cryogénique, faisant référence au processus de remplissage et de pressurisation des réservoirs du Starship avec de l'azote liquide sans risque d'incendie ou d'explosion. Après les tests complétés, le Ship 24 a été autorisé à être installé sur l'un des deux bancs de tests et de lancement suborbitaux de SpaceX. Au cours d'environ 2 mois, le pad A a été considérablement modifié à la fois pour prendre en charge la conception améliorée du Ship 24 et pour le mettre à l'épreuve en utilisant des vérins hydrauliques géants pour simuler la poussée des moteurs Raptor. Le Ship 24 a ensuite été installé sur le support modifié le 4 juin. Les 6 et 7 juin, SpaceX a ensuite soumis le prototype à une autre paire de tests de preuve cryogéniques qui se sont terminés sans problème du premier coup. Le premier test a même vu le Ship 24 utiliser ses évents de nez, ce qui suggère que SpaceX a peut-être rempli et mis sous pression ses réservoirs principaux et une paire plus petite de réservoirs de propulseurs d'atterrissage ou de réservoirs en tête, les header tanks. À un moment donné, au cours des tests cryogéniques du pad A, on pense que les vérins hydrauliques du support ont été utilisés pour tester l'extrémité arrière améliorée du Ship 24 en simulant la poussée de 6 moteurs Raptor. Comme le Ship 20, le Ship 24 sera éventuellement équipé de 3 petits Raptors optimisés pour le niveau de la mer et de 3 plus grands Raptors optimisés pour le vide. Le Ship 24 sera donc le premier Starship à utiliser les nouveaux moteurs Raptor 2 qui sont capables de générer près de 25% de poussée en plus. À plein régime, le Ship 24 pourrait théoriquement produire près de 1400 tonnes de poussée au niveau de la mer, soit un peu moins de 2 fois la poussée d'un booster Falcon 9 entier. Mais n'oubliez pas que le vaisseau Starship ne servira pas au décollage de notre bonne vieille Terre, mais directement de l'espace, c'est ça qui est important de comprendre. C'est le booster Super Heavy là, qui va l'apporter pour que le Starship puisse accélérer par la suite dans l'espace. Pas beaucoup de friction. Imaginez la puissance. Starship sera donc le vaisseau spatial le plus puissant de l'histoire. C'est pour ça que t'en as autant? Ouais. Non, ça c'est pour eux. Mais d'abord, la fusée a besoin de moteurs. Après avoir terminé les 3 tests cryo-proof sans problème apparent, SpaceX a retiré le vaisseau 24 du pad A et l'a ramené à l'usine Starbase le 9 juin. Bien qu'il ne soit pas vraiment clair si ces tests ont été pleinement réussis, l'hypothèse générale est que SpaceX a renvoyé le prototype à l'usine pour combler les lacunes de son bouclier thermique, mais surtout pour installer ses 6 moteurs Raptor 2. Ben y'en a 2 ou y'en a 6? Ben non, il y en a 6, mais c'est des Raptor 2. Faut tout te dire. Si tel est le cas, le deuxième voyage du Ship 24 sur le site de lancement pourrait être une répétition en tenue humide, comme la fusée céleste, le Wet Dress Rehearsal et des tests de tir statique. Une campagne, mes amis, qui pourra permettre au Starship d'effectuer sa première tentative de lancement orbital. Je suis sur les émotions depuis le temps qu'on attend. Hello. Wow. Et c'est maintenant l'heure des nouvelles de Twitter. Ouais, ma casquette. Twitter, ouais. De cette semaine, les BDF, comme à chaque semaine, ça roule. Génial de voir comment les gens utilisent Starlink pour les camping-cars. Il y a eu 30 000 commandes et comptages. Puis ce gars-là, il a joué à des jeux vidéo sur une montagne isolée du reste du monde. Wow. Et pour ceux qui doutent de la bande passante, ben Internet sera mauvais. Nous avons maintenant l'exemple du contraire, les BDF. On dirait bien qu'il adore son nouveau kit Internet. Ici, regardez cette image des 3 fusées emblématiques. À gauche, la SLS au centre, la Saturn V qui a envoyé les hommes sur la Lune. Et à droite, le puissant Starship qui sera propulsé par le Super Heavy. Il n'y a pas de doute, c'est géant tout ça. Wow! SpaceX a accueilli la direction de la NASA dans leurs installations Starbase à Boca Chica pour une mise à jour du Starship. Le système d'atterrissage humain qui transportera les prochains astronautes américains sur la Lune, l'Artemis 3. Sur la photo, on voit la grid fine, ces géants, ces panneaux-là là, qui vont permettre de réorienter le booster à son retour. La capsule Orion pour Artemis 2, la première à transporter des humains, a été mise sous tension pour la première fois. Suivez NASA Space Flight sur l'état de cette capsule et sur la progression de celle d'Artemis 1, 3, 4 et 5. Ben oui, il y aura plus qu'une capsule Orion. Et pour l'avoir vue en Floride, elle est merveilleuse. Wow!
Les Chinois sont tellement secrets, mais je pense qu'ils font bien des fois parce que dans ce tweet, une image satellite du Centre spatial chinois, John Kwan, désolé l'accent, montre une explosion survenue en octobre 2021 sur un site de lancement ou d'essai. Il pourrait s'agir du lanceur Quanzhou 11. Peux-tu répéter? Quanzhou 11. Oh, commence pas, toi! Il est encore là, lui. Une annonce importante cette semaine de l'ESA. Le tout premier vol du lanceur Vega C est planifié pour le 7 juillet 2022. Ça s'en vient, ça. J'avais envie de vous partager la photo la plus claire de Mercure jamais prise par la NASA. Et oui, la planète la plus près de notre merveilleux Soleil. Puis en parlant du Soleil, ben j'étais à Salouette cette semaine. Avez-vous vu le coucher de Soleil de minuit? Ben oui, avec l'inclinaison de la Terre de 23,5 degrés, nous avons de magnifiques saison. Puis c'est parti pour l'été dans le Nunavik. C'est ça le coucher de soleil. C'est qu'il se met à lever de soleil en même temps. Donc 23h30, coucher de soleil, levé peut-être vers 1h du matin. Mais actuellement, la preuve, 23h30. Ça prend des bons rideaux pour réussir à dormir parce que fait tout le temps jour. Bon, dans les montagnes, la nuit, puis j'ai moins peur des ours polaires. Bref, le seul petit point négatif, la disparition de mes aurores boréales. Ah, c'est pas grave. Quelle belle vie. Aimez la vie, les BDF. Pense trop vite. Regardez les jumeaux, si jeunes en 2003, NASA Mars Exploration Rover, le Spirit, qui est lancé de Cap Canaveral un mois avant son jumeau Opportunity. Mais Spirit a effectué des observations géologiques près du cratère Gusev de Mars. Je vous raconterai cette histoire dans une vidéo un jour, c'est passionnant, mais j'ai pas toujours le temps, je travaille. Ouais, je m'amuse. On estime qu'environ 100 millions de trous noirs errent autour de notre Voie lactée. Pour la première fois, les astronomes pensent maintenant qu'ils ont peut-être mesuré avec précision la masse d'un trou noir isolé avec Hubble. Et je dis souvent que nous sommes que de la poussière d'étoiles absolument. Si petit sur ce point bleu pâle suspendu dans un océan cosmique, wow! Hey, t'es poète un matin! Et je termine en vous partageant un tweet du passé que j'ai adoré. Écoutez bien ça, ça c'est Stephen Hawking qui est décédé malheureusement, mais ça a été un des grands. Je ne pense pas que la race humaine survivra aux 1000 prochaines années, à moins que nous nous étendions dans l'espace. Il y a trop d'accidents qui peuvent arriver à la vie sur une seule planète. Mais je suis optimiste. Nous allons atteindre les étoiles. Et ça complète les nouvelles de Twitter de la semaine. Et la question de la semaine, avec la vidéo que j'ai publiée vendredi sur l'avion hypersonique, le Dark Star de Tom Cruise ou Maverick dans Top Gun, croyez-vous qu'il sera possible un jour de voyager dans un avion à Mach 10? Une chose est sûre, ce serait beaucoup plus rapide. Hey, j'attends vos commentaires, j'aime ça vous lire moi. Let's go! Et ça complète l'actualité spatiale chaude de cette semaine. Merci les BDF d'avoir écouté la vidéo, merci de contribuer au futur, à votre futur. Croyez en vos rêves, croyez en vous surtout. Et en parlant d'inspiration et de croire en nous, cette semaine, Elon Musk. Elon Musk est un gourou des affaires, véritable businessman, oui, inventeur et investisseur. Paiement en ligne, technologie, science, peu importe le domaine, vous avez déjà entendu son nom ou lu un article quelque part. Connu particulièrement comme entrepreneur à la tête de SpaceX, Tesla et SolarCity, Elon Musk ne souhaite pas uniquement faire de l'argent, non, mes amis, il veut changer le monde. En guise d'exemple, il travaille actuellement sur la réduction du réchauffement climatique et la création d'une colonie humaine à la conquête de la planète Mars pour sauver l'extinction de l'homme. Bref, le genre de sujet qui donne matière à imaginer, à créer, à travailler avec le futur. On aime ça, nous, le futur, peu importe à quoi vos rêves ressemblent en ce moment, Elon Musk continue de réaliser les siens, parce que dans la vie, mes amis, tout est possible. Donc, comme disait Elon Musk cette semaine, les gens devraient poursuivre ce qui les passionne, cela les rendrait plus heureux que n'importe quoi d'autre. D'ici là, soyez Blue Dot, parce que comme SpaceX, le futur, ça commence maintenant. Adios, amigos.